Alors, dans cette émission, eh bien, vous avez fait également vos premiers pas dans la chanson, car vous avez chanté avec Hervé. Salvez Regina. On a la preuve devant les caméras de Marie-Dy Gilbert Carpentier. C'est en 1983, décidément, c'est une grande année pour vous. Voici les débuts de chanteur de Yannick. Seigneur, que tes cœurs, serviteurs, que tes corps, au fond de l'homme, rien ne change. Les diables et les dieux se mélangent. Quand les anges s'affrontent sur leur terrain magique, il y a des fumées qui montent, des grottes maudites. Quand la gorge ordonne, croque, croque la pomme. Les madones, les hommes frissonnent. Salve Regina, Vade, Vade, Retro Satana. Entre le bien et le mal, c'est le va-et-vient infernal. Grand Seigneur, serviteur, que tes corps, au fond de l'homme, rien ne change. Les diables et les dieux se mélangent. Sur le sang des montagnes, y a des hommes qui prient. Bienheureux ceux qui gagnent l'oubli de l'envie. Et sous les sapins noirs, y a les yeux des vipères qui regorgent d'espoir dans leur repère. Qui grogne pour un morceau de gloire, un bout de charogne. Mais dans les jardins tranquilles, y a des femmes courbées qui regardent immobiles les fleurs se faner. Les caméras, Marie-Dy Gilbert Carpentier, 18 ans. On était mimi, hein. Bien, non? Ah, c'était bien, ouais. Non, c'était un bon souvenir, non, ça, j'avais jamais revu. C'était pas mal. Ça swingait pas mal. C'était pas hein? mal, ouais, ouais. Mais Yannick, à l'époque, en 83, vous êtes en plein boom, vous sillonnez le monde avec votre raquette. Est-ce que, comme McEnroe, comme Wilander, comme tous les copains d'époque, vous avez le Walkman dans les avions, dans les hôtels, avec les copains, vous chantez, vous écoutez beaucoup de musique? Moi, quand je joue un joueur de tennis dans l'avion qui dort à côté de moi, ou traverse l'Atlantique, il a toujours un Walkman. Dans la fin des années 70, j'étais à Tokyo faire une exhibition et le sponsor c'était Sony. Et il y a eu trois prototypes d'un nouvel appareil qui s'appelait le Walkman. Et vous avez eu le premier. Le vieux avait fait cette machine parce qu'il aimait bien la musique. Le vieux, c'est le patron de Sony. Ouais, il voulait jouer au golf en écoutant de la musique. Oui. Et en fait, j'en ai eu un. Et j'ai le premier Walkman en France. Le premier Walkman, c'est et j'ai continué. Enfin, j'ai toujours aimé écouter la musique. Mais là, je trouvais ça très chic d'avoir cette espèce d'appareil. On prenait pour un martien. Et puis ensuite, moi, on s'est croisé avec Hervé. Et j'ai passé un peu de temps chez lui. Il y avait un studio déjà à l'époque chez lui. Et Hervé m'avait dit, il faut que tu chantes. Ça te va bien. Il me motivait, quoi. Il m'a vraiment poussé. C'est pour ça qu'on a voulu vous avoir tous les deux aujourd'hui, parce que tout est parti de là, hein, finalement. Mais moi, j'en étais sûr que c'était la reconversion idéale pour Yannick, parce que d'abord, on dit qu'il commence à chanter, mais enfin, la musique, ça, on l'a ou on l'a pas, il l'avait depuis le début. Et justement, ce qui me faisait un petit peu peur, c'était la gestion de l'affaire, parce que sortir de ce qu'il était et rentrer dans un monde qui est complètement différent, qui est un monde de star pareil, mais qui n'a rien à voir,
J'ai essayé un peu de le pousser, en même temps de lui dire de faire gaffe à tous les pièges qu'on peut avoir. Je ne cesse de lui répéter depuis plusieurs mois, parce qu'on se voit souvent depuis quelques mois, c'est pour moi le seul exemple. Il n'y a pas, tout sport confondu, un champion star. C'est vrai. Le sommet qui réussit une telle reconversion. Mais c'est souvent pas les mêmes qualités qui sont nécessaires entre un sportif et c'est un chanteur. C'est pas les mêmes qualités. Il faut la voix. Oui. Il faut physique. Il faut la voix et puis il faut un recul sur soi-même pour se trouver comment on s'appelle quand on est un chanteur, pour que ça tienne debout, trouver les mots qui correspondent. Exactement, Yannick, il a un discours un petit peu, un personnage un petit peu spirituel, il y a quelque chose de magique dedans qu'il fallait trouver, qu'il fallait mettre en chanson. Ouais. Et dans son dernier album, il l'a. Et comme par hasard, c'est celui-là qui cartonne, parce qu'il y a la vérité, il y a un petit côté ancêtre, un petit côté spirituel, et dans son discours et dans son personnage, il y était. Mais il fallait le trouver. Et c'est pour ça que ça peut prendre du temps. Alors ça, c'est la partie album, l'enregistrement, etc., chanson, mais la partie show, il l'avait déjà. On allait voir Yannick, pas seulement pour son tennis. Le show, il l'a dans on allait voir parce qu'il avait la présence d'un acteur. Hein, on le verra show, il n'y a rien à apprendre. Il n'y a rien à apprendre pour le show. Hein. Non. Bon. Qui fait le show maintenant? Rodic? Pardon? Qui fait le show dans le circuit? Rodic. Rodic, en ce moment, c'est le seul. C'est le seul. Mais je préfère After. Ah oui. Et cette année, j'ai largement préféré la victoire d'Ivazinevic. C'était un autre show, c'était un moment... Un comeback inouï, qu'il avait Wimbledon déjà. Un moment magnifique, oui. Vraiment un moment... Alors Hervé, c'est un anniversaire cette année. En 81, vous avez écrit « Il est libre, Max ». Oui. Ça a 20 ans. Ça a 20 ans. Et justement, c'est... Les chansons, c'est pas comme les gens, ça rajeunit, ça peut rajeunir lors d'un anniversaire, c'est ce que j'ai essayé de faire. Quand Yannick m'a invité dans cette émission, je me suis dit, je vais quand même pas rechanter cette sempiternelle version, donc je me suis dit, je vais aller lui redonner un petit coup de relook. Et je nouvelle suis parti version. Dans le R&B, dis donc. Et nouvelle version d'Il est libre, voilà. Max. Très bien, grand ami, je rappelle que vous participez souvent au tennis concert. Vous étiez bien classé en tennis, hein? Oui, j'étais pas bien classé, j'étais à 4-6e. C'était combien, 2e série? Oui. Pas mal. Vous n'êtes pas cassé le bras? Ah non, j'étais un teigneux, hein. J'ai grignoté les grillages. Très de la silhouette.